Bonjour Rav. Shalom Vracha Tzadik. C'est avec grand regret que je vous vois ici parce que vous allez grave manquer. Énormément manquer. Mais bon, vous avez peut-être un petit mot aux Français. Ben voilà, on part maintenant pour arriver à Cannes, puis ensuite à Marseille. J'ai beaucoup de personnes que j'aime particulièrement là-bas, une grande communauté. J'espère que Bezrat Hashem, on partagera des moments inoubliables en parlant de Torah, de Mitzvot, de Maasim Tovim. Et je pense que ce voyage va être très, très, très important. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on nous a descendu du vol. Comme ils vendent beaucoup plus de billets qu'il n'y a de place dans l'avion, donc nous avons été sélectionnés, mon épouse et moi, pour ne pas être dans l'avion et de prendre un avion peut-être demain ou peut-être plus tard, sous prétexte qu'ils ont vendu plus de billets qu'il n'y a de place dans l'avion. Et donc on a un petit peu secoué le responsable, expliquant qu'on ne partait pas pour des vacances, mais pour rencontrer des communautés, des gens merveilleux, pour Bezrat Hashem diffuser une lumière. Et voilà, j'ai mon billet, mais il n'y a pas de place. Ils me le donneront à ce qui paraît là-bas. Et donc, ça démontre par là que quand il y a tellement d'obstacles pour arriver à faire des mitzvot aussi importantes que partager de l'amour et de la Torah, c'est que vraiment, c'est un voyage qui vaut le coup. Donc, j'espère que tout le monde sera content et que vous allez manquer aussi la communauté de Oel Moshe, City et Tel Vav, nous envoyer de beaux messages. Et Bezrat Hashem, ce qui compte, c'est faire grandir le nom d'Hashem en tout lieu et en tout endroit. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Juifs de France. Donc je les attends nombreux aussi là-bas, en espérant, Bezrat Hashem, que tout se passe pour le meilleur du moment et de l'avenir. Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Rav. Bon voyage. Toda.